Bon, bah, je sais pas ce qui lui arrive. Hein. On va se tourner du côté de Limoges. Bonsoir Abdel. Oui. Bonsoir Abdel, bienvenue de Limoges. Oui, bonsoir Vanessa. Oui, bienvenue à toi, nous t'écoutons. Merci. Alors voilà, moi je pense que tout d'abord, il y a quelque chose qui est très important dans une relation, c'est la rencontre. Le lieu de la rencontre, la manière dont on va rencontrer la personne, ça joue un rôle très important. Parce que je pense qu'on n'aura pas la même relation avec une personne qu'on va rencontrer dans une boîte de nuit qu'avec une personne qu'on va rencontrer dans un petit dîner entre amis ou quelque chose comme ça. Par exemple, vous voyez, ma copine, je l'ai rencontrée dans un kebab. C'était... Encore avec vos kebabs ? Pardon ? Non, mais c'est pas possible. Tous les soirs, vous me parlez de kebab. Bah oui, Abdel, tous les soirs j'en ai un qui me parle de kebab. Bah oui, comment ça? Faut pas faire l'étonné, hein. Ça prend pas avec moi. Je vous vois arriver, hein. Avec vos tongs. Mes tongs? Oui. Bonne soirée, Abdel, et bon kebab. Allez, 01 53 48 3000, n'importe quoi. Vincent nous appelle de Marseille, il va nous parler de kebab aussi. Bon, bonsoir Vincent. Donc moi c'est Vincent, je suis étudiant en sociologie et j'aimerais un petit peu donner 2-3 idées pour essayer d'un petit peu élever le débat. Eh ben on y va. Donc déjà, qu'est-ce qu'un dragueur? Alors au départ, c'est un type sensible qui a besoin des femmes. Donc un dragueur? Pourquoi? Non mais j'aime bien, je vais élever le débat. Alors on va parler du dragueur. Il va nous faire la description du bon dragueur. Ah voilà. Donc je crois que... Ouais. Je crois que les femmes sont comme sa mère, en gros, ou que les femmes sont comme dans les livres. C'est-à-dire, elles aiment les garçons sensibles, un peu poètes. Enfin, toujours les arnaques, genre la théorie du sexe n'a pas d'importance, etc. Ce qu'il faut, c'est que le mec soit gentil. Et il découvre sur le terrain que c'est tout le contraire. Hein. C'est toujours la prime au mec brutal, mal élevé, menteur, etc. Et que les femmes adorent se faire manipuler. Hein. C'est la démonstration de la réalité. Hein, voilà. Ouh là 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 là, Vincent, dis donc, si c'est comme ça qu'on va s'élever. Comment ça, les femmes adorent se faire manipuler? C'est quoi ces généralités quand on dit les femmes et les hommes? Ça ne veut rien dire, ça. Bah, et là, c'est chaque personne est différente. C'est une violence inouïe, parce qu'en général, on est initié par hasard là-dedans. C'est-à-dire qu'un jour, on en a marre, on se comporte mal avec une fille, parce qu'on s'est pris 3 râteaux avec 3 autres, et la quatrième, on est plein de haine, on s'énerve, et on s'aperçoit que d'un seul coup, ça marche. C'est le chemin du dragueur qui découvre que la saloperie est efficace, en fait. Ah oh bah dis donc, bah on va y partir là, allez, oups là, enlevez-moi. Hugo. Ah, je sais pas ce qu'ils ont, hein, mais certains, ouais, bah écoutez, je sais pas, branchez-vous ailleurs, hein, parce que si vous avez des bêtises à dire, c'est pas sur Beurre FM hein, qu'il faut les vider vos insanités.